Eh bien bonjour tout le monde, c'est Lemmy Koopa et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Nous allons redonner le livre à l'intello parce que quand même il a oublié. Il n'a plus son dictionnaire le pauvre. Bah voilà, on va te le rendre. Tant quoi, on l'a pas trouvé? Ah c'est vrai, je faisais que de mourir alors j'ai abandonné l'histoire du dictionnaire. Bon bah tant pis, je le ferai une prochaine fois. je suis vraiment un enculé parfois. Du coup, je sais pas où il faut y aller, mais j'ai un doute. Non, je pense qu'il faut passer par là, pour le chapitre 5. Hein. Je pense que, ouais, c'est comme ça qu'on doit faire. Alors, déjà, toi, tu vends quoi d'intéressant? Même si on n'a pas les thunes, on s'en fout, on regarde. Ah, intéressant. Tout ou rien, si la commande action fonctionne, plus 1 puissance, sinon puissance 0. Permet aux autres membres du groupe de méditer. Franchement, ça peut être très intéressant ce truc. Je sais pas, bah ça c'est ce qui m'intéresse le plus parce que les sauts de Mario, déjà que. Ouais, ça peut être très très puissant cette attaque. Et je pense que du coup on va se l'acheter parce que vraiment. Ah, de un seul PB? Ah bah ça va. Attends du coup parce que voilà avec super saut, voilà c'est avec super saut que je voulais dire. Avec super saut on pourrait faire un truc vraiment violent en vrai. Donc ouais quand même on va se faire plaisir. Et ça y est nous sommes pauvres. Du coup que devons-nous faire? Eh bien partir au chapitre 5. Mais j'ai un doute. Enfin, du moins j'espère que c'est par là. En vrai j'en sais rien. Ouais, je pense qu'il faut passer par là hein, pour y aller. Ouais, c'est par là. Et bah, pour commencer, bienvenue au club. Attendez, on peut voir. Fait chier. Bref, c'est le club 64. Je suis Simon, je suis le maître poète de toute ville. La pauvre diva ne peut plus chanter pour le monde entier. Oh, si mes paroles sont bonnes, la diva ne sera plus à fond. Je suis triste car je n'arrive pas à trouver ma dernière phrase. A plus, la pambi. Salut, je suis Chantraine, je suis la diva de ta ville. Oh, je pouvais chanter n'importe quelle chanson à la perfection. Mais cette époque est révolue maintenant. Le fait de voir le château champignon dans le ciel m'a tellement choqué que je n'ai pas pu chanter depuis. Et maintenant, je suis une diva qui ne peut pas chanter. Triste destin, n'est-il pas? Ah oui, je voulais le rendre plus classe. Ah, bienvenue au club 64. Et pourquoi on n'a pas de client? Non, il n'y a plus de masquette pour toi, non? Nous avons besoin de publicité, il faut nous faire du connaître. Ah, c'est... On m'a dit que j'ai dit un truc étrange qui flotte dans le port. Ouais. Bah de toute façon, je voulais juste venir là pour présenter le club 64, mais sinon, si je l'aurais pas fait, on serait allé au port. Oh tiens donc, nous y sommes. Ah, attendez, on va quand même se regarder là. Allez, what? Un garbite. Non, je sais pas faire les voix de Todd. Enfin, une voix bien casse-couille. Un gars bizarre se balade dans le port depuis quelques jours. Il est vraiment con, ce mec, et il parle que de trésor. Alors, voilà. Le bah, tiens donc. Qui suis-je? Je suis Colorado, mon vieux. L'explorateur de renom, et je fais le tour du monde. Et tu es Mario, n'est-ce pas? Que fais-tu par ici? Moi, je vais vers l'île Lalflave, dans les mers du sud, pour résoudre un terrible mystère. Tout me porte à croire qu'il y a des trésors dans la caverne d'un volcan. Mais j'ai un gros problème, je ne sais pas comment m'y rendre. Pense, Colorado, pense, comment traverser la mer. Les ruines s'excèquent terriblement fatiguées, je laisse le boulot à mes assistants. Alors, Mario, tête relique. Quelle beauté, on dirait un indice pour les ruines s'excèquent. Ah, c'est vrai, la relique, on l'a en plus, du con. Oh. Si je la te dire un peu, je suis certain que je pourrais résoudre le mystère des ruines. Mario, mon vieux, sois gentil, donne-la moi. Allez, hein. Merci, Mario, t'es vraiment un super pote. À présent, le mystère des ruines exact va bientôt être résolu. Je suis l'archéologue le plus heureux du monde. Ah oui, un petit cadeau de guise à remettre au guise de la rigueur, non? Voilà pourquoi. Ah tiens, donc, je suis étonné.
Je l'ai trouvé dans le désert, c'est que je ne m'en sers pas. Et je sais même pas quoi ça sert, cette merde, alors reprends-le. Oh là là, je me demande quel est ce truc. Oh, mais faudrait-il faire ça? Ah non, je pensais que... Faut faire ça. Ah oh, oh, qu'est-ce que tu fais? Oh mes yeux. Oh, ça alors, je me demande ce que c'était. On dirait un énorme thon. Oh, je ne suis pas un thon, je suis une baleine. Et j'ai des soucis, c'est le 14 juillet dans mon bidon. Vous savez, le plus drôle, c'est que quand je tourne cette vidéo, on est littéralement le 14 juillet. Ouais, je sais, ça fait bizarre, hein. Quelle coïncidence, n'est-ce pas? Oh, ah, ouille, au secours. On dirait que ce superbe thon a des problèmes d'estomac. Mario, ça te dirait de lui donner un coup de main? Oh, je ne suis pas un thon, il y a un poisson d'ailleurs. J'ai mal. Pourriez-vous vérifier si tout est bien, ton ordre là-dedans? Oh, je vous en supplie. Bah. Oh là là, ça bouge là-dedans, mon ventre, pas bien, aidez-moi, au secours, vite. On marche sur sa langue, c'est trop mignon. Oui, je sais, mais il faut peu pour trouver un truc mignon. Ouais, aïe, oui. Et qu'est-ce que tu fais avec cette lampe? On est mieux dans l'obscurité, mec. Mais allez, viens, salopelle. Hop. Allez, on va te péter le cul. Eh, mon pote, on veut un morceau? Tu l'as eu, et je suis bien en colère, là. Attends, du coup, sage étoile, enfin, patate étoile, relax. En cas de succès, diminue de 3 la puissance de l'ennemi. Ah ouais, putain, c'est énorme, quand même. Bah vous savez quoi, on va faire ça, et il fera rien du tout, Watt. On va juste laisser Mario le faire. Mario, on va lui faire au moins jusqu'à ce qu'il aille à 20 PF. Comme ça au moins. Ah merde. Non mais pas grave, parce qu'il faudra faire un marteau séisme. Bon, quand même, au pire, si on peut éventuellement le fusipède le faire descendre, ce serait cool. Ah, et évidemment, sachant que on l'a remarqué avant, on avait besoin de lumière. Du coup, vous comprenez que si j'utilise Goombario, je suis baisé. Et évidemment. Oh, il n'y a qu'un tout petit coup, c'est trop mignon. Dernier, ça y est, dernier. Là, après. Ça va partir sur une violence que vous n'aurez jamais cru douter de Mario. Oh, fait chier. Bah vous savez quoi? Oh ça va, vous saviez que j'allais le faire à un moment donné de toute façon. Mais c'est chiant que Mario il peut pas sauter jusque là. Enfin c'est Mario merde, il est connu pour savoir faire des gros sauts le Mario. Tu veux pas rester en bas toi? Non? Ah si, ça va. Déjà que ça fait 6, mais avec le boost... Ah, 12. Si on lui aurait pas mis de dégâts avant, je pense qu'il serait pas mort. Mais là, bon bah voilà, on a gagné. Et c'est bien, on se rapproche du prochain level. Ah, je vais d'abord m'éloigner de ce vieux pêcheur, et puis je me fais avaler par un énorme poisson, et puis ce vilain moustachu, il commence à m'énerver. Je suis passé des poils à frire à l'hameçon depuis que je suis petit, tu parles d'une vie. Mario, c'est moi, tu sais, la baleine. Tu m'entends? Mes maux d'estomac sont passés, je me sens bien. Attends, mais c'est pas un peu risqué de laisser Watt dans de l'eau? Ouch!
Ah bah on le voit, mon club 64 là-bas. Ouais. Waouh, en plus en arc-en-ciel. Hey, c'est toi, t'es 62 000 qui m'a valu. Connard, je pensais que j'étais foutu, moi. Je suis terriblement désolé, j'étais en train de dormir la bouche ouverte. Bon, je suppose que je peux te porter une liste aussi, mais fais gaffe maintenant. Je te remercie après tout, monsieur Moustache. Prenez soin de vous. Allez, bisous, moi, je me casse. Toute vie de merde. Piou! Ah, ça me semble mieux, là. On devrait t'appeler Docteur Mario. Ah, quelle coïncidence. Ah, c'est marrant. C'est marrant. Je vouais. Comment puis-je te remercier? Je sais comme ton... je veux dire, en tant que baleine, je suis assez bonne à la nage. Pour vous remercier, je vous emmène n'importe où. Pardon d'écouter aux portes, mais t'as dit n'importe où. Mario, vieux dresseur de ton, accompagne-moi jusqu'à l'île Lave-Lave. Ah, ça va être un super voyage. L'île est super géniale, tu devrais me faire confiance. Mario, le bébé étoile a dit qu'un esprit étoile a été capturé sur l'île Lave-Lave. Non, on doit y aller, la baleine va nous faire une promenade, super. Hein, l'île Lave-Lave, bien sûr, je sais où c'est, mais... Il y a un énorme volcan prêt à rentrer en éruption là-bas, c'est méga dangereux. Tu veux toujours y aller? Ok, c'est ton choix, dis-moi juste quand tu seras prêt à partir. Et bah, dès maintenant, ma gueule, ouais. Ah merde. Oui. Oh oui, de la 3D avec mes yeux. Oh. Oh, tu n'as jamais vu ça dans un jeu Nintendo 64. Hein. Oh oui. Y a pas de souci, vous me faites une petite place. Ça va être très chiant de faire un accent espagnol pendant tout le chapitre. Ok, en route pour l'île Lave-Lave. La même nous appelle. Et merde, c'était la baleine. Oh, on est sur raton, t'y crois, Mario? Tu ne dis pas que la vie est étrange parfois. Et merde, j'ai pas eu besoin de finir. Sa mère, la pute. Bref, messieurs, dames et autres personnes, bienvenue. Dans... Ah non, pas encore. Merde. Oh, une mouette en 3D. Ouais. C'est trop marrant. Du coup, mesdames et messieurs et autres personnes, bienvenue dans le chapitre 5. Ça chauffe sur l'île Lave-Lave. D'ailleurs, je crois que si on attend un petit peu, il y aura un autre son qui va arriver. Attendez. Allez, on y va. Du coup, voilà, c'est un petit historique assez sapin. J'avoue que j'ai oublié de le dire, d'en parler dans les dernières, dans les derniers chapitres qu'on a vu ça. Mais voilà, au moins c'est fait. Et puis, bah, tant mieux. Hein. Demande-moi si tu veux retourner à toute ville. Bien, bien, nous y sommes. Alors, c'est ça, l'île Lave-Lave, très jolie. Incroyable, regarde Mario, le mont Lave-Lave, là-bas, tu le vois, magnifique, dépêchons-nous vite. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il y a un truc là. Ah. Mais je suis sûr qu'il y a un truc, c'est juste qu'on le voit pas là. Bon bah tant pis. Je pensais, mais bon. C'est un peu dommage qu'on n'a pas de truc caché. Yag! Ouais bah. Ah merde, mauvais côté. Voilà. Alors, Goombario. Qu'est-ce que c'est? Un jungle fusil. C'est un jungle fusil.
Ils sont similaires aux fusils, mais bref, ils ont 7 PV, 2 de puissance, et voilà. Oh, le multibon, il va pouvoir être mieux maintenant. Il sera un peu plus puissant. Ça, c'est cool. Oula. Faites les malins, ne vous inquiétez pas. Prenez mes PV si ça vous fait plaisir. Mais je vais vous botter le cul. Mais je vais tellement vous botter le cul que vous allez avoir la tête à l'envers. Oh putain, ils font chier. Je pense qu'on est bon. Enfin, on va pas les tuer, mais... Mais ce n'est pas dégueulasse. Putain, c'est horrible de se dire qu'avec un seul boost en plus, on aurait pu les fumer. Oh, le fils de pute. C'est complètement con ce que je fais, hein. J'en ai conscience, ne vous inquiétez pas. Vous croyez qu'on va gagner un niveau avec ce combat-là? Franchement, ce serait bien. Hein. Trop bien. Ah bah forcément. Fallait peut-être le laisser en ramener un dernier. Fio, tu m'as sauvé. Tous mes remerciements, allez, on se casse. Attendez, il y a une lettre. C'est trop bien les lettres. Oh, le village Yoshi. Trop bien. Bon, bah, allez, on visite, hein. Non. Oh, un Yoshi marron. Le chef du village est mon ami depuis bien longtemps. Depuis sa plus tendre enfance, il a un grand sens des responsabilités. Quand j'ai appris qu'il allait devenir chef, je n'ai pas été surpris un seul instant. Et le voilà, le chef, c'est le gros Yoshi. Bienvenue, Mario, je suis le chef du village Yoshi. Tu viens chercher de l'aide, tu veux aller sur le mont Lavlov, n'est-ce pas? L'entrée du volcan est dans la zone, mais très difficile d'accès. Le volcan s'est réveillé, je pense qu'il est dangereux de s'aventurer par là. Je suis gros Yoshi et je vais vous botter le cul. Quoique, est-ce qu'il va être aussi gros que l'autre Yoshi dans Mario et Luigi 2? Ah ah, mystère. Bon. Ciao, ciao, ciao. Oracle des étoiles, Mario vient sur l'île. Mario est destiné à rencontrer Maître Mainte Géante, quoi. Kaou, es-tu le Mario dont Maître Mainte Géante nous parlait? Kaou. Moi, tu me parles, canard. Allez, tombe. Bon, bah, tant pis. Hein. Plein de petits Yoshi, ouais, mais nous allons vous parler plus tard, les Yoshi. Et découvrir votre île un peu plus tard aussi. On le fera, mais pas aujourd'hui. Enfin, pas maintenant en tout cas, mais un peu plus tard dans la vidéo, éventuellement, possiblement, oui. Bah allez, on va dormir quand même, hein, parce que on s'est quand même bien fait péter le cul pendant le combat. Donc voilà. Après, je dis ça, mais bon, c'est peut-être parce que je l'ai vu aussi. Mais bon. Mario dort dans des feuilles. C'est un aventurier, il a besoin de feuilles pour avoir une couette. Les aventuriers se font des couettes avec des feuilles. Yeah, au secours! Merde, je voulais avoir l'avantage. C'est un masse-lance, ils sont des masse-casses. D'accord.
On s'en fout de ce qu'il dit, hein. Moi c'est juste ça qui m'intéresse. Aïe. Bah, de toute façon, on a déjà gagné un niveau là. On finit le combat et on a notre niveau. Allez. Ah bah là, oui, ça y est, on l'a. Notre ennemi peut se barrer, on l'aura quand même. Oh. Qu'est-ce qui branle? Oh, le fils de... Oh, le fumier. Mais quelle coïncidence, ils vont tous les deux mourir. Aïe. Oh, en vrai, on se fait plaisir. Non, mais faites-vous plaisir, cassez-moi la gueule. Ah non, vous ne pouvez plus, c'est dommage. Quel hasard. Il y a les 9 points, trop bien. Ah, j'avoue que là, ça va être assez chaud, ouais. Ça se... Bah, je sais pas du coup, plouf, hein. Ça sera toi au bout de 3. 1, 2, 3. Non mais c'est juste que j'aime pas avoir plus de PF que de PC. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je joue à Paper Mario, ça m'a fait ça. Pio, tu m'as sauvé une fois de plus. Tu es le meilleur Mario et voilà. Bref, on se casse. Allez Goombario, on se balade. Oh Mario, regarde un peu ça. On dirait l'entrée du volcan, hein mon vieux. Fichule que les trésors que je recherche se trouvent dans le volcan. Ah, tous les secrets d'une civilisation d'Achu. Et pourtant, je n'en trouve pas l'entrée. Ennuyeux, non? Mais je n'abandonnerai pas. Un bon explorateur ne s'arrête jamais de réunir des informations. Retournons au village pour chercher des indices. On doit pouvoir rentrer dedans. Il le faut. Allez. Allez, je cours. Ah, c'est dommage, il donne rien. Arrêtez! Oh, tu pensais que je me faisais attaquer à nouveau? La bonne blague. Les explorateurs sont de sacrés rigolos, tu sais. De toute façon, il vaut mieux y aller. Hein? Ouais, Espèce d'enculé. Une musique bizarre. Ah. Pourquoi vous jouez les bébés Yoshi? Bon, attendez, on va sauvegarder quand même. Hein. C'est plus important la sauvegarde. Oui, je suis une merde. Les enfants sont partis, nous avons eu une fourrette et la dingue. Vous avez le sentiment qu'il mijotait quelque chose ces derniers jours. Ah merde, on aurait dû parler aux enfants. Mais je pensais que c'était juste un mauvais coup, je ne pensais pas que ce serait ça. Que faire? Comment les retrouver? Oh, quel misère, les enfants ont disparu. Je crois qu'ils ont quitté le village en secret pour la jungle. Ils ne connaissent pas ces dangers. Nous devons y retrouver plus vite. Mario, pourrais-tu y retrouver? Comme tu le vois, les Yoshi paniqués ne peuvent pas penser que correctement dans cet état. Je vais essayer de les calmer. Tu as trouvé les enfants. Ah ouais, tu vas vraiment les calmer en réagissant comme le canard. Attends, juste. On va parler au verre après. Ils s'en battent la race, ok. C'est pour savoir. Mais c'est terrible, les enfants ont disparu. Nous leur avons dit un million de fois de ne jamais aller dans la jungle. Ceci est à leur recherche. C'est un chip-chip qui les surveille d'habitude. Comment cela a-t-il pu arriver? Il y a dû avoir une raison. Mario, aide-nous, cherche les enfants. Et toi, tu t'en branles? Ces indigènes sont si effrayés qu'on ne peut pas leur souterrer d'informations. Ah non, ça a l'air bien de résoudre le problème, comme ça nous pourrons les interroger. Bah du coup, je suppose qu'il faut aller par là.
Mais par où? Quoi de la thune? La thunasse. Quoi? C'est quoi cette merde? C'est une plante bobo. Si elle te touche, t'es empoisonné. Ah d'accord. Aïe. Voilà, comme ça, Gumballo, tu peux en tuer un. Hein. Ah, c'est gentil, hein. Aïe. Et boum, t'es mort. Enculé, va. Trop bien. Ah, t'es gentil, toi. Oh. Oh, merde. Mais c'est quoi ces conneries? En même temps, ça, c'est réaliste. Monsieur Buisson. C'est un monsieur Buisson. Bref, tu vas être empoisonné si tu te fais toucher, voilà. Petit résumé, hein. Ah, c'est vrai que je les avais pas tous utilisés. Et dans le doute, est-ce qu'ils peuvent brûler après? Est-ce qu'ils ont la brûlure? Je sais pas. Hein. Non, dommage. Aïe. Aïe. Bon, alors vu qu'on pourra pas les tuer à ce tour, nous allons utiliser un truc qui va les fumer, c'est-à-dire la foudre. Parce que la foudre, ça tue. C'est ce que je disais. Oh ouais, de la vie et de l'argent. J'aime l'argent. Oh, quel hasard, de la thune. Oh, c'est tout de suite, bande de petits ingres! Ah, le dernier puf. En même temps, c'est normal parce que la porte où on va devoir y aller, c'est le chapitre 6. Du coup, c'est pour ça que le dernier puf, il est ici. Hé, hey, toi là-bas, regarde-moi si tu m'entends. C'est si embarrassant, je suis bloqué dans l'arbre, tu peux m'aider. Allez, essaye encore une fois. Oh, pfiou, je suis sauvé, j'ai mal partout. Merci de m'avoir sorti de là, ça devrait aller maintenant. Oh, oh, c'est petit, je peux chasser les mini Yoshi, c'est trop mignon. Et je suis tombé dans leur piège. Ils ne savent pas à quel point la jungle des meurtrières doit les retrouver avant qu'il soit trop tard. Et toi, tu ferais bien de rentrer au village, c'est dangereux ici. Mais pourquoi es-tu venu dans la jungle en fait? Oh, ah ah, toi aussi tu recherches cette petite crapule. Bien, alors cherchons-les ensemble. Ils ne connaissent pas la danger de la jungle. Il faut les retrouver au plus vite. Oh, quel sorte, je ne t'ai même pas demandé ton nom. Comment t'appelles-tu? Oh, tu me connais pas? Mario, hein? J'ai jamais entendu ce nom-là auparavant. Tu dois venir de loin. Comment trouves-tu l'île, Lavlav? Mais... retrouvons les enfants d'abord. Sans oublier. Et bienvenue, notre nouvel allié. Sushi, rejoins le groupe. Appuyez... Bref, on s'en branle. C'est un allié qui est quand même assez puissant, hein, je vais pas mentir. C'est un allié qui est très cool. Et que personnellement, moi j'aime bien, genre j'adore Sushi. J'adore ce perso. Ah si, on peut la faire accélérer un peu quand même. Bon, on va aller voir le puff, et on va s'arrêter avec lui. Et non, on va se faire enculer d'abord. Ah, faut appuyer sur croix. Ça sert à rien, mais au moins on les prend, au moins c'est fait. Voilà, on va pouvoir faire le chapitre 6.
Bonjour, quoi de neuf, merci de m'avoir éveillé. Cette île est bien jolie, hein. C'est l'endroit idéal pour y pousser ici. Je suis Saint-Bélub, je voudrais remplir ce monde de belles fleurs. Je voudrais que tu aies cette graine, ou plutôt, c'est ce que je voudrais te dire. Mais la graine n'est pas encore prête, malheureusement. Ne t'inquiète pas, elle devrait bientôt être prête, elle t'entendra si bien au jour. Reviens la prendre plus tard. Qu'est-ce que je suis généreux quand même. Bon, plus tard, ça veut dire soit quand les petits Yoshi vont être de retour dans le village, soit ça sera à la fin du chapitre. Et du coup, avant de retourner sur l'île, enfin sur Toddville plutôt. Bah non. Elle peut rester longtemps sous l'eau. Ah non, fallait juste venir ici pour aller la chercher, oui. Et ben ouais, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter juste là. Du coup, voilà, si cette vidéo vous a plu, bien likez, commentez, partagez et surtout abonnez-vous. Sur ce, c'était Lémi Koopa, et puis moi je vous dis au revoir tout le monde. Et lui, je vais lui niquer sa race hors vidéo. Pouf! Et merde. Oh l'enfoiré.